Bonsoir tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une vidéo sous le signe de l'explication, de l'information et bien entendu du divertissement comme d'habitude. C'est YouTube, on est là pour se divertir avant toute chose. Aujourd'hui, 2-3 trucs à voir dans cette vidéo. J'ai mis une deuxième caméra qui pointe vers le bureau. Vous allez tout de suite savoir pourquoi dans quelques instants. Eh ouais, faut bien qu'on en parle quand même. Le drone de chez Banggood, qu'est-il devenu depuis la dernière fois? Qu'est-il devenu depuis son crash? Enfin, depuis ses crashs. J'ai envie de vous dire qu'il se porte bien. Ça va. Bon, je l'ai pas refait décoller depuis la dernière fois. D'ailleurs, cette dernière fois, eh bien, c'était la première fois. Et c'était complètement catastrophique. J'ai crashé le drone à plusieurs reprises. Si vous avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai dans un petit coin de l'écran. Ça doit être par ici. Voilà, là-bas. Et bien entendu, mon petit drone de chez Banggood, qu'est-ce qu'il en advient? Alors, je l'ai démonté. Je l'ai bien nettoyé. J'ai testé un petit peu les batteries. Ça va. J'ai une batterie. Franchement, je crois qu'elle est rincée. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté pour lui justement. Et dans la deuxième partie les gens, on verra la Woodbox du mois d'avril. Surtout restez jusqu'à la fin. Comme d'habitude, comme tous les mois, vous avez un code de réduction dans la description qui n'est pas négligeable. Bon alors pour reparler du drone, ce premier vol qui était totalement catastrophique. Donc c'est vrai que je l'avais crashé à plusieurs fois. D'ailleurs ma petite caméra OK qui est ici, bon elle filme encore parfaitement, il n'y a pas de souci. Par contre l'écran derrière quand je l'allume il est un peu dézingué quoi. Donc l'écran vraiment il est rincé. Par contre elle filme toujours aussi bien, donc là dessus nickel. Bien entendu toujours mon petit casque d'alien ici, E.T. téléphone maison. La dernière fois ce qui s'est passé les gens du coup pour le premier vol, j'avais beaucoup de pertes de signal, le drone il allait vraiment pas loin et tout. En fait ce qui s'est passé c'est que j'étais pas branché sur la bonne fréquence entre le casque et le drone. C'est pour ça que j'avais à peine 50 mètres de distance quoi. Et encore je vous dis 50 mètres, je crois bien que même moins. Donc pour le drone les gens, je vais vous faire un petit peu l'inventaire de ce que j'ai acheté pour lui. Bien entendu vous avez tous les liens Banggood dans la description. Et donc on va commencer par des paires d'hélices. Donc c'est pas les hélices d'origine. En fait si vous voulez c'est des hélices qui ont moins d'angle que les hélices d'origine. Vous voyez bien que sur les hélices d'origine, donc les violettes, il y a beaucoup plus d'angle que sur les jaunes. Et en fait si vous voulez mettre des hélices avec moins d'angle, ça va permettre au drone d'aller moins vite. J'ai racheté des petits connecteurs XT60. Voilà, ça c'est les connecteurs pour les batteries et tout. Des riselants bien entendu, c'est la base. Alors ça, franchement, il faisait un peu plus gros sur la photo. C'est un sac pour les batteries lipo. Je vais vous montrer. En fait si vous voulez c'est un sac qui est censé réduire la propagation du feu. Au cas où les batteries lipo ça prenne feu ou quoi, vaut mieux acheter un petit sac comme ça. Ça vaut pas spécialement très cher et ça fait l'affaire. Donc voilà comment que ça se présente. On a 6 slots pour ranger 6 batteries lipo. En fait si vous voulez j'ai mis les batteries avec le fil apparent, c'est ceux qui sont pleines. Et les batteries qui sont à recharger, je les ai mis la tête en bas du coup. Je trouve que vraiment c'est super important un petit sac comme ça. C'est un sac qui est censé protéger de la propagation du feu. Alors j'ai acheté également un chargeur sous les conseils de Airflex. Airflex si tu nous regardes, merci encore. Et donc il m'a conseillé un petit chargeur. Bah en fait c'est le même que le sien du coup. Et bien écoutez, je vous propose de faire l'unboxing de ce chargeur ensemble. Et donc qu'est-ce qu'on a là? Alors toujours hein, faut faire gaffe les gens. Mais ah non même pas là, tu vois, mauvaise langue. J'allais dire faut faire gaffe parce que si vous achetez des objets sur Banggood, Gearbest ou quoi, faites attention de toujours acheter avec des adaptateurs chinois parce que sinon vous allez être emmerdé. Mais sauf là, voyez, j'ai été mauvaise langue, ils nous ont mis une prise européenne, donc c'est plutôt cool. Alors franchement, je vais pas vous raconter du pipeau, j'y connais rien du tout dans les connectiques, mais voilà, si vous connaissez, bah il y a ça comme connectique sur le chargeur. Sur le côté, on a un ventilateur, de l'autre côté, on a ça, on peut le brancher au PC, et derrière, bah on a l'alimentation. Ça va être soit pour recharger les 2S, 3S, 4S, 5S, jusqu'à 6S. Donc en fait, ce qu'ils appellent 3S, 2S, 4S, 5S et tout le bordel, c'est le nombre de cellules qu'on a sur une batterie. Vous voyez que je vous en montre une, là. Je la manipule avec précaution parce que celle-là, les connecteurs ils sont mortes. J'ai pas envie que ça me pète à la gueule. J'ai mis du scotch isolant sur le tour. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4 cellules. Et donc j'ai pris ça. C'est un connecteur si vous voulez pour brancher plusieurs batteries à la fois. Donc qu'est-ce que j'ai pris avec ça? Un petit fer à souder. Ça peut toujours servir quand faut démonter le drone ou quoi. Justement, en parlant de démonter le drone, eh ben j'avais rien pour le démonter. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une petite mallette à outils sur Banggood. Et dedans, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour démonter, que ce soit le drone, que ce soit même un portable, un PC portable. Et je trouve ça super stylé parce que vous arrivez comme ça, vous appuyez sur le bouton et hop. Voilà, là vous choisissez vos petits embouts et tout. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Il y a les petites pinces à épiler et tout pour les petites vis ou quoi. Franchement, elle est nickel cette petite boîte à outils. Toujours, on reste dans le pratique. J'ai acheté une petite trousse. En fait, c'est une petite mallette avec toutes sortes de pinces, justement pour démonter le drone ou quoi. Des antennes pour le drone, ça peut toujours servir. J'ai remarqué que c'était ça qui allait péter en premier lorsque le drone crash, justement. Du coup, si vous voulez, avec des antennes coudées, il y a moins de risque que ça casse, quoi. Parce que bon, quand l'antenne elle est toute droite comme ça, si ça se crache directement dessus,
c'est un petit peu chaud. Et un grand classique, mais ça peut toujours servir, du scotch double face. Voilà, on va dire, le petit setup Drone Racer que je me suis fait. Pour l'instant, je m'en suis pas encore spécialement trop servi. Vous avez vu une vidéo avec. C'était la première fois que je le sortais. Là, ça commence à refaire beau un petit peu dehors. Je pense le sortir très prochainement. En tout cas, si vous êtes chaud, vous mettez un petit pouce bleu sous la vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. Bon, après avoir fait un petit peu de rangement, on va passer à la Woodbox, les gens. La Woodbox du mois d'avril. Eh ouais! Je vous propose qu'on unboxe tout ça, comme tous les mois. Vous avez le code de réduction dans la description, avec le lien. Et on va voir un petit peu ce qu'ils nous ont mis dedans. Et donc on prend tout de suite le premier objet. Et c'est délivré. Délivré. Je les lirai bien toute l'année. Bon, ça c'est fait. Deuxième objet, on va prendre le plus gros direct. Ouh, c'est une figurine ça. Ouh, ça c'est une figurine. Ah non, je croyais que c'était Fox. Ah, c'est Gardien de la Galaxie. Ok, d'accord. Franchement, bah, je pense que vous devez le voir voilà, sur la caméra juste ici. Il est plutôt stylé. Ouais, j'aime bien, franchement. C'est Rocket et Groot, des Gardiens de la Galaxie. Je sais pas ce que vous en pensez, les gens. Mais vraiment, il est bien cool, quoi. Nous allons prendre tout de suite le deuxième objet. Et c'est un t-shirt. Un t-shirt God of War. Ah ouais? Bon, je vous propose qu'on l'essaye maintenant. Attention, vous êtes prêts, ça va aller très vite. Transformation. Vraiment excellent. Comme tous les mois, de toute façon, Woodbox. Il est vraiment génial, le t-shirt. Merci Woodbox. Je vous montre ce que ça donne comme ça. Voilà, il est vraiment super. Avec Kratos et tout, ça déchire franchement. Kratos et son fils, les héros des temps modernes. Non, franchement, il est cool. En plus, God of War, il sort ce mois-ci sur la PS4, il me semble. Donc c'est bien cool. On va voir un petit peu. On va prendre un autre objet. Oula, Attendez, je vais pas me faire chier, je vais prendre celui-là. Voilà. C'est quoi ça? Ah d'accord. Eh ben écoutez, c'est une petite figurine Avenger. Vous avez toutes les figurines derrière. Donc franchement, c'est bien stylé. Je vais pas l'ouvrir parce que j'aime bien les garder dans les boîtes. Je sais pas pourquoi, mon vieux, j'ai une maladie, mais j'aime bien garder les boîtes. Fermé en plus. Bon, eh bien écoutez, eh ben. Ah, alors attendez, on a un pins. Ça c'est quoi ça? Alors là par contre. April 2018, brutal. Donc oui, c'est le thème brutal ce mois-ci. Franchement, je sais pas trop c'est quoi. C'est un espèce de tank ou je sais pas si vous connaissez. Mais là, là vraiment, j'en sais rien. Nasco, tu peux sortir de la boîte, s'il te plaît? Ah, c'est pas vrai ça. Ah, sympa. On a une petite plaque métallisée. Ça, c'est quoi ça? Est-ce que ce serait pas Dragon Age, ça, des fois? J'en ai aucune idée, mais ça y ressemble un petit peu. Ouais, en tout cas, vraiment, elle est bien stylée. Elle est bien cool. Et bien sûr, comme tous les mois, parce que maintenant, Woodbox, il nous spoile pas le thème de la boîte. En fait, si vous voulez, il les retourne carrément. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la retourner ensemble. Impeccable. Eh ben franchement c'est nickel. Je pense que God of War, de toute façon je vais me le prendre quand il va sortir. C'est le genre de jeu que je vais bien kiffer. Donc il y a carrément moyen. Je vous montre un petit peu la boîte. Vraiment, elle déchire quoi. Elle est vraiment géniale. Bon les gens, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à venir nous rejoindre sur les réseaux Facebook et Twitter. Et bientôt on sortira le drone. Ouais, je pense qu'on va le ressortir bientôt. Bon, sur ce, en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde, bye bye.